problème de peu ou je ne sais pas quoi. Mais on sait un peu. On m'avait dit que les Camerounais, en termes de promotion des spectacles, les promoteurs des spectacles ici, et c'était tellement bizarre. On nous avait prévenu. Donc je me dis que c'est les frères Camerounais qui nous parlaient de ça. Et maintenant que le drame se produit, maintenant qu'on n'a pas pu faire le concert au final, tout le monde nous jette la pierre comme si vous ne connaissez pas votre promoteur. Vous ne connaissez pas votre promoteur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Vous avez déjà vu tel artiste venir donner un concert sans la totalité de son cachet. Et là même, la décision ne vient pas de moi. Je vous dis que je suis signé à une maison de production. On est des chrétiens. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Mon autorité, c'est la maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss, c'est en même temps mon père et en même temps mon père spirituel. En même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit je ne fais pas, je ne peux rien faire. Jusqu'à 23 heures, on a. C'est la maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss, c'est en même temps mon père, et en même temps mon père spirituel, et en même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit je ne fais pas, je ne peux rien faire. Jusqu'à 23 heures, on n'a pas reçu la totalité du cachet. C'est un partenaire là, parmi les partenaires. C'est maintenant qu'à 23 heures là, où les gens nous attendaient depuis 17 heures, c'est là que lui, là, il apprend qu'on n'a pas reçu le cachet.